match des Grecs ce soir. Ce soir, ils vont devoir mettre Gasol sur la réserve. Les Lakers étaient déjà très forts en attaque, mais Paul a apporté quelque chose à l'attaque en triangle. Il est facile à trouver quand il pénètre et il est très fort balle en main. Oh, il veut le passer là, il est en train de l'affoler en dribble. Garbarossa qui joue avec l'écran. Buzzer dans une seconde. Spanoulis de nouveau dans le camp adverse. Passe mal ajustée et interceptée. Fotis au rebond. Tentative extérieure et ça entre. Et Gasol lui redonne. Et il perd le ballon sur ce contact. Spanoulis qui installe le jeu dans le camp adverse. Pour 3 points, Dikoudis qui a tout le temps et il score. Très beau travail pour s'imposer dans la raquette et prendre son rebond offensif, Eric. Navarro qui veut le ballon. Sa chance à 3 points. Jiménez est le premier sur ce ballon. Tentative extérieure et Juan Carlos Navarro qui rentre leur premier panier à 3 points ce soir. Ils vont tout faire pour finir fort dans ce carton, Eric, avec deux ballons pour prendre l'avantage contre un seul à leurs adversaires. Et Antonis Fotsis, qui ajuste mal, là. Jiménez, qui veut absolument le ballon. Et Jorge Garbarossa, qui peut scorer. Spanoulis, qui passe la ligne médiane, balle en main. Pour 3 points, oui. Tente sa chance à 3 points. Fin du premier carton. Les Grecs mènent de 3 points. On a assisté à un bon premier quart-temps. Georges, je pense que les deux coachs sont satisfaits. Oui, les deux équipes ont bien joué, Eric. Mais aucune des deux n'a vraiment fait la différence. Je pense que tout devrait s'accélérer dans le quart-temps à venir. Et Gasol au contre. Il a été retenu. Le grand retour des Grecs, les voici. Papaloukas va au cercle et Jorge Garbarossa qui commet ici sa première faute. Papaloukas sur la ligne.
qui fait un 2 sur 2. Et Gasol qui tente d'échapper à son défenseur. Oh, on dirait bien qu'il veut le passer. Il est en train de l'endormir avec des dribbles. Fotsis qui domine au rebond. Les Grecs au contrôle. Ça rentre et en plus c'est beau à voir. S'ils veulent revenir dans le match, ils vont devoir prendre plus de rebonds défensifs. Et surtout arrêter d'offrir de paniers faciles comme ça. Garbarossa qui la ressort, c'est bien fait. Une minute trente de jeu encore dans ce deuxième quart-temps. Les Grecs mènent de 6 points. Garbarossa qui le déborde en dribblant. Ah, il change de main. C'est bien défendu, mais ça ne suffit pas. Le shoot est trop parfait. Spanoulis franchit la ligne médiane. Et c'est son premier panier à 2 points. Fernandez qui joue très très vite. Les deux dernières possessions avant la mi-temps. Il faut qu'ils en profitent. Les Grecs auront la remise en jeu. On voit ça assez souvent, Eric. Un joueur qui mord la ligne sur un tir à 3 points, une pénétration en ligne de fond. Finalement, c'est pas si facile que ça de garder ses pieds à l'intérieur du terrain. Papaloukas vers la raquette. Oui! Fernandez qui shoot vite à 3 points. Ah, si ça rentre, c'est qu'il est en veine. Cela dit, il a bien raison de tenter le coup. Le score à la mi-temps, les Grecs mènent de 8 points.